dentro di quella. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonne année 2014. Joyeux Noël. Je vais commencer mon petit discours par l'adage de Monsieur Henry Ford, qui dit: se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Eu égard à ceci, j'adresse d'abord des merci à tous et à toutes pour avoir se donné l'audace de ne pas vaquer à vos occupations pour venir rehausser de votre présence dans cette réunion. La continuité de notre réunion dépendra du courage et de l'effort de tout un chacun de nous. Cependant, je dis encore excusez et je m'excuse pour mon absence aujourd'hui. Malgré que je suis absent, je vous tiens tous à cœur. Vous êtes dans mon cœur. Je suis absent pour la raison d'un tournage d'un film avec les acteurs coréens qu'on appelle Mamado. J'ai passé une interview la semaine passée et j'ai été parmi les acteurs sélectionnés. Et en ce moment où je vous dis, le tournage va se passer ce samedi au dimanche. Une fierté pour mon pays, une fierté pour l'université de Daegu, une fierté pour vous, une fierté pour moi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on m'appelle Franck Kimetia. Je viens de Goma et je suis actuellement porte-parole des étudiants africains au sein de notre université de Daegu. Mon rêve, eh ben, c'est devenir un jour le président de la République démocratique du Congo. Une tâche qui n'est pas aussi facile. Ça demande beaucoup d'efforts. Bien sûr, mon effort et l'effort de ceux qui me soutiennent. En Corée, je viens de réaliser 4 ans. Presque 4 ans. Et je commence la dernière année du bachelor en mars prochain, comme tant de mes amis avec qui nous luttons au sein de cette université. Des petites réalisations que nous avions pu réaliser sont telles que la participation dans des différentes activités culturelles, la compétition des talents que nous avions gagnée maintes fois. Tout cela a permis aux autorités académiques de reconnaître en nous des talents, des capacités que nous possédons. Une fierté pour mon pays, une fierté pour les Africains. Nous pouvons comme les autres aussi. Nous avions tourné avec la chaîne KBS un documentaire dans le cadre du développement quotidien à Andong City. Nous avions convaincu les producteurs de KBS Séoul de choisir mon pays, la RD Congo,
comme lieu du tournage d'un documentaire intitulé Kim Soul va en Afrique ou en RDC. Ce documentaire a consisté à vérifier à quel niveau les étudiants congolais connaissent la culture coréenne, connaissent l'économie coréenne, connaissent la politique et autres. Dans ce voyage, j'ai eu comme rôle de interprète et guide. Je les ai guidés. Nous avons été en contact avec différentes autorités de mon pays, national et provincial. Les fruits de ce voyage, Monsieur Pacifique et Monsieur François en savent beaucoup. Grâce à ce voyage, ils sont aujourd'hui avec nous en Corée du Sud. Nous disons merci à Dieu. Et je lance un appel à vous tous aussi. Vous êtes venus, mais cherchez aussi les chemins pour d'autres de venir. Tout ça pour le bien de notre pays. Travaillons tous pour le bien de notre pays, la RDC Congo. La RD Congo, je m'excuse. Nous avions convaincu la compagnie Hyundai, ISM Korea et Sion Technology d'élargir leur business vers mon pays, la RD Congo. Elle était supposée contenir 5 personnes dans la délégation. Mais à la dernière minute, hélas, 3 ont désisté, disant que mon pays est une zone rouge. Y aller, c'est faire un risque. Chose qui m'a choqué. Bien sûr, je connais mon pays, la situation qui se passe là-bas est tellement précaire. Et tout cela vient dans les sites internet et ils se contentent de ça. Ils disent non, il n'y a pas la vie là-bas. Nous, notre rôle, c'est de défendre, de dire que ce n'est pas seulement mon pays. Dans notre pays, on a cette situation-là, mais ce n'est pas en dire que, vu cette situation, le pays n'est pas visitable. Le pays est visitable. S'il y a la situation précaire, c'est pas partout. Les gens vivent et vaquent à leurs occupations comme normal. Bien sûr, il y a des mauvaises choses, mais aussi il y a des bonnes choses. Ne parlez pas toujours des mauvaises. On est parti à deux. Les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'avancement des affaires. Et le principal problème, c'est la communication mutuelle avec nos amis au pays. Ils ont encore les problèmes de communication. Nous vous envoyons des données. Donnez-nous une réponse. Chose qui, c'est un handicap par nombre de nos compatriotes au pays. Je vous exhorte aussi, messieurs, chers frères, de ne pas jouer ce même rôle. Nous sommes les ambassadeurs de la RD Congo. Nous connaissons, nous essayons un peu de comprendre les problèmes que nous avons. Nous sommes et nous avons les rôles de changer ça et de montrer une image autre. Certains de nos frères peuvent être aveugles, mais nous, nous avons eu cette chance-là de venir. Ah, on a ouvert nos yeux. Ah, la mémoire s'est vue ouverte. Réfléchissons ensemble pour trouver des solutions, pour amener les investisseurs dans notre pays. Et le pays se verra petit à petit développé.
Nous fournissons aussi des efforts avec les amis présents dans la salle, dans cette salle, dans le cadre du social, de créer l'amour et élargir notre fraternité parmi les étudiants internationaux et les Coréens en organisant des rencontres de football à travers notre Vision Club, qui est l'un des clubs de International Wise Men en anglais, qui est un club qui se base du volontarisme, des travaux volontaires à aider les gens par le peu que nous avons. Aider les gens en se basant de la vie de Jésus-Christ. L'actuel président, qui est le troisième président depuis que Vision Club a été fondé, c'est Monsieur Frisant, présent dans cette salle, je pense. Le second président fut Monsieur Martin Mitéo, qui a récemment changé de pouvoir avec Lady Frisant. Le premier président de ce club fut Franck Kimetia, à ma personne. La liste de nos petites réalisations est longue. Je vais devoir couper par ici pour entamer le message que j'ai voulu amener maintenant aujourd'hui. D'abord, mon message est intitulé « Les astuces pour saisir sa chance ». Nombreux de nous, nous voulons réussir dans notre vie. Nombreux de nous ne veulent pas des échecs dans la vie. Et parfois dans la vie, nous nous trouvons en face d'un échec et nous ne savons pas comment y remédier. Ou nous voulons réussir, nous avons un projet quelconque, nous voulons réussir, nous ne savons pas comment nous y mettre. Alors, en petit mot, je vais essayer un peu de vous donner des petits mots au titre des astuces pour gagner la chance dans la vie. Je vais me baser à ces deux adages de Monsieur Joseph Antoine Bell, qui dit: l'unité des valeurs de la réussite, ce n'est ni les francs ni les dollars, c'est un rapport entre la satisfaction et le projet. Un rapport entre la satisfaction et le projet. Dans un projet, il faut qu'il soit satisfait de ce projet-là. Que tu aimes ce projet-là, a dit Monsieur Antoine Bell. Deuxième adage est celui de John Kennedy, qui dit: l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. S'entourer des meilleurs, j'ai dit. Et comment s'entourer des meilleurs? S'entourer des meilleurs dépend de nous. Les gens doivent voir en nous quelque chose qui les pousse, qui leur donne ce courage, cette bravoure de venir vers nous et aller ensemble dans un projet quelconque. C'est pourquoi l'expression « saisir sa chance » signifie « la réussite ». Et c'est une question de mentalité et de motivation personnelle. Alors, comment profiter des opportunités dans la vie? En toutes circonstances, soyez dans de bonnes dispositions d'esprit. En effet, pour mieux saisir des opportunités dans la vie, soyez optimiste dans tout ce que vous entreprenez comme activité. Si vous êtes pessimiste, vous risquez au fait de laisser passer des opportunités qui auraient pu changer le cours de votre vie. L'optimiste permet à d'autres personnes à adhérer à un projet qui vous tient à cœur. L'optimiste, j'ai dit, permet à d'autres personnes d'adhérer à un projet qui vous tient à cœur.
L'optimiste aussi va également de pair, j'ai dit, avec la passion. L'optimiste va de pair avec la passion. Ayez de la passion dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez comme activité, profession, business, études. Ayez de la passion de faire la communication. Ayez de la passion de faire la chimie industrielle. Ayez de la passion de faire l'architecture. Ayez de la passion à faire la théologie. Le génie civil. Hein? Ayez de la passion à faire la nutrition, la technologie de la nutrition. Ayez de la passion à faire le multimédia. Ayez de la passion à faire toutes choses auxquelles vous vous mettez. Et vous verrez la réussite. Vous allez me demander s'il est bon de rester à l'écoute de tout ce qui se passe autour de soi. Ne soyez pas comme un crapaud dans la piscine qui n'a que ses yeux dirigés vers une direction. Il faut être au courant de tout ce qui se passe à notre alentour. Si vous pensez que les gens qui ont réussi se sont contentés de laisser au hasard le soin de décider de leur vie à leur place, eh bien, c'est une erreur fondamentale. Une erreur fondamentale, j'ai dit. Pour saisir votre chance, chers frères et sœurs, soyez à l'écoute de tout. Recrutement au niveau des entreprises, l'économie, la politique et bien d'autres choses. Ces renseignements vont au fait vous donner la chance d'être au bon moment. Toujours à temps. Toujours à temps. Toujours à temps. Toujours à l'écoute. Au bon endroit et au moment opportun. Vous allez me demander aussi, pour bien réussir sa chance, faut-il nécessairement afficher clairement ses ambitions? Ouais, pourquoi pas? Tout à fait. Les ambitions déterminent, j'ai dit, les ambitions déterminent la réussite dans la vie. Comment est-ce que les personnes qui peuvent vous aider seraient-elles que vous désirez devenir le responsable de la communication d'une entreprise de grande envergure? Si vous ne lui dites pas vos ambitions, exprimez-vous. On pense à celui qui s'exprime. On pense à celui qui donne ses idées. Seul le sourd a les difficultés de s'exprimer. Mais il y a les gestes pour ça. Il y a les gestes pour ça. Et celui qui comprend ces gestes pourra nous interpréter ce que ça dit. Donc, ayez toujours le sens, chers frères et sœurs, ayez toujours le sens de contact et parlez de vos ambitions dans la conversation avec vos amis et connaissances. Ces personnes pourront penser à vous si une opportunité se présente. J'ai dit et je vous remercie. Joyeux Noël et bonne année 2014. I love you.